tengo el gusto de presentarles a todos a Monsieur Corbelami. Tengo el plaisir de vous présenter Monsieur Corbelami. Y confieso que no voy a hacer el tipo de presentación que se espera. J'avoue que je ne vais pas faire exactement le genre de présentation que peut-être vous attendez. He tratado de copiar todas las listas de las publicaciones y los títulos y las funciones de M. Corbelami. J'ai essayé d'imprimer prolixement les titres de travaux et les antécédents et c'était trop. Debo confesar que era demasiado. Y vraiment, j'ai décidé donc de faire une autre chose. C'est pour ça que penser et hacer autre chose. Vous pouvez trouver sur Google tout ça. Lo van a encontrar en Google. Monsieur Corbelami se doctoró en la Universidad de Sorbonne. Es profesor en la Université de Neuchâtel, en la Université de Lausanne. Como medievalista se ha interesado en temas como el roman artúrico, las canciones de gesta, el Guillaume, lo conocemos bien, la matière tristanienne. Ya estoy mezclando idiomas y no sé ya si estoy siguiendo bien las reglas. Acaba de publicar en Prose un libro sobre los Fabliaux. Il vient de publier chez Prose un libro sobre los Fabliaux. Tema que, sobre el que pienso que realmente hacía falta una nueva visión después de ciertos trabajos. C'est un sujet que je pense qu'il fallait vraiment réétudier. Es autor de una tesis brillante sobre la obra de Joseph Delier. Il est l'auteur d'une thèse vraiment extraordinaire sur l'œuvre de Joseph Delier. Pero al mismo tiempo es una persona que se ha interesado también por la literatura contemporánea. En même temps, il a abordé aussi les auteurs contemporains, en particulier Ernest Renan, un écrivain suisse, Charles Albert Saint-Friard. Se ha dedicado a autores contemporáneos como Ernest Renan, el escritor suizo Charles Albert Saint-Frias. ¿Eso se pone con eso? Que la d'ailleurs comparé a Jorge Luis Borges, que comparó con Borges. Y se adresó aussi a la obra de Roger Caillois, a la obra de Romain Rolland, se interesó por la obra de Romain Rolland, de Roger Caillois. Et il s'est beaucoup intéressé, il s'intéresse encore, pour la réception de la littérature du Moyen-Âge dans la modernité. Il s'est intéressé pour algo que saben muchos que a mí me interesa mucho, que es la réception de la littérature médiévale en la modernité. Ce qu'il a poussé à s'interroger en particulier, c'est ce qu'il appelle la bande dessinée médiévalisante. Lo que lo ha llevado a pensar especialmente el tema de la historieta, del tema medieval. Es también autor de una novela de ciencia ficción. Él es el autor de un roman de anticipación, de un opera por enfants, una ópera para chicos, y de poemas sinfónicos, de poemas sinfónicos. Pero sobre todo, y sobre todo, lo que yo querría decirles, lo que yo voudrais vous dire, c'est que au fil des mails, que nous avons interchangé, que a medida que iban pasando los mensajes de correo electrónico, le cher collègue, le cher monsieur Corbelami, est devenu cher ami. Que a lo largo de los mensajes de correo electrónico,
lo que era estimado colega, estimado señor, se convirtió en querido Alain, vraiment sincèrement, y realmente sinceramente. Parce que M. Corbellari s'est intéressé à savoir que l'asphalte de Buenos Aires venait de Pierre, de très près de chez lui. S'intéressó por averiguar que el asfalto de Buenos Aires había venido de zonas cercanas de su casa. Parce qu'il m'a raconté qu'il avait demandé à un ami un enregistrement de poèmes de Borges lu par lui-même, hein, porque me contó que él había pedido un amigo una grabación de poemas de Borges leído por sí mismo, pour essayer de s'intéresser à l'accent, pour voir si nous comprenions quelque peu, hein, porque quería tratar de ver si podía seguirnos un poco notre español porteño y rioplatense. Et j'ai aussi appris qu'il aimait l'opéra, qu'il aime la musique, hein, qu'il aime la science-fiction. Me enteré de que le gusta la ciencia-ficción, que le gusta la música. Et tout cela vraiment m'a complété une idée de la personne. Me permitió completar una idea de la persona, que es mucho más que lo que uno encuentra en Google, que es mucho más de lo que uno encuentra con información en Google. Para nosotros, en general, Suiza es chocolate, relojes, IVA y cuentas numeradas. La Suiza. C'est le chocolat, les montres, les horloges et les comptes de banque. Pero recordemos también que para la Argentina, Suiza es, a Suiza le debemos una de las mayores poetas argentinas del siglo XX. Je crois que nous devons aussi nous rappeler que l'Argentine doit à Suisse l'une des plus grandes poètes argentines du XXe siècle. Alfonsina Storm, poète et femme énorme, d'un énorme courage pour ce moment. Poète et mujer de coraje realmente exceptionnel pour la Suisse. Donc, c'est aussi la patrie de monsieur Alain, de mon cher Alain, de monsieur Corbellari, que j'ai l'honneur de vous introduire. Chère Susanna, merci infiniment. Effectivement, vous avez parlé de ces échanges que nous avons depuis quelques mois. Je me réjouissais énormément de venir ici. C'est pour moi la première fois que je viens en Amérique du Sud. C'est une grande fête pour moi. Et j'espère que, eh bien, j'espère que je vais réussir à retenir un petit peu votre attention pendant cette conférence qui est liée à un des aspects de ce colloque, l'aspect justement lié à la littérature médiévale. Un certain nombre de conférences y sont consacrées, que j'ai essayé plus ou moins de suivre. Effectivement, mon espagnol est tellement mauvais que je n'essaye même pas de vous dire deux mots de bienvenue, de remerciement, mais sachez que le cœur y est et que je suis très ému d'être ici devant vous. J'ai fait distribuer un exemplaire. Ça va, vous m'entendez? Oui, ça va bien. J'ai fait distribuer un exemplier avec une dizaine de citations que il en reste peut-être encore pour les gens qui n'en ont pas, qui vont vous permettre de suivre mon propos. C'est un propos, vous allez voir, qui part d'une interrogation théorique, mais qui va me permettre de, d'évoquer avec vous un des aspects les plus importants pour nous aujourd'hui au XXIe siècle de ce qu'est et de ce qu'est devenue la littérature du Moyen-Âge. Je suis parti d'une citation du fameux livre de Gérard Genette, Palimpseste. Je pense que c'est un livre que normalement vous devez au moins avoir un peu feuilleté. C'est un des livres fondamentaux pour la narratologie moderne. Et donc dans Palimpseste, Gérard Genette évoque le cas de Darès et d'Ictis. Au lieu de résumé tardif de Homère, donc de la fin de l'Antiquité, mais textes qui ont été pris au Moyen-Âge, parce que ces deux auteurs se disaient témoins des événements qu'ils racontaient,
qui ont donc été pris au Moyen Âge pour les sources même des poèmes homériques. Ce renversement des priorités entre les catégories qu'il a créées, hypertexte et hypotexte, suggère à Genette un raffinement terminologique quelque peu ironique, c'est ma première citation. C'est l'hypertexte hypotextifié à l'époque, et l'épopée d'origine lue à l'envers comme une versification dérivée. Voronès n'est décidément pas loin. Et j'ai plaisir à pouvoir citer ici le nom de Voronès, qui reviendra d'ailleurs dans cette communication. Donc, rappelons-le très rapidement, n'est-ce pas ? L'hypertexte, c'est le texte qui est par-dessus, l'hypotexte, c'est le texte qui est par-dessous. Et alors, vous ne m'en voudrez pas si des fois j'hésite un petit peu entre les deux textes, pourtant j'ai bien mon texte écrit devant moi, mais effectivement, il va être question ici justement d'échange de positions entre ces deux types de textes. Genette n'a cependant pas tout à fait raison d'affirmer que cette confusion est prévalue, comme il le dit, durant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la redécouverte d'Homère. D'abord, parce que ce que l'on redécouvre au XVIe siècle n'est pas Homère lui-même, dont le Moyen-Âge savait très bien qu'il était le plus grand poète de l'Antiquité, mais uniquement son texte original grec. Ensuite, Genette se trompe un peu parce que certains auteurs n'étaient pas dupes des supercheries de Darès et de Dictys. Alors, j'ai deux citations en ancien français. J'aime bien lire l'ancien français, alors c'est peut-être un petit peu difficile à suivre, mais vous en faites pas, il y a aussi, c'est dans votre exemplier, et puis j'ai la traduction en dessous, je la lirai aussi. Et je trouve important, quand on cite de l'ancien français, de montrer que cette langue peut être un peu vivante. Je me souviens d'une collègue française qui m'avait dit « Ah, c'est marrant, quand tu parles l'ancien français, t'as l'accent bourguignon. » Ce qui est doublement idiot, parce que d'abord, on ne parle pas l'ancien français, c'est une langue morte. Et l'accent bourguignon, ben, ce n'est rien d'autre, justement, qu'une prononciation archaïque du français. Donc c'est tout à fait. Benoît de Saint-Maur, dans son roman de Troyes, qui est l'un des trois grands romans antiques de la seconde moitié du XIIe siècle, écrit, c'est la citation numéro 2, « Homère, qui fut clair merveilleuse, des plus sachantes se tourmentos, esprit de la destruction, des grands sièges et de la chaison, marqué Troyes et fut déshabité, qui onque puisse ne fut habité, mais ne dise pas ses livres veilles, car bien savons sans nul espère qu'il ne fut puisse de cent années que les grandes hostes assemblée, des merveilles s'il faillit, qui oncle n'y fut, ne rien envie. » Traduction. Homère, qui était un clerc d'un extraordinaire talent, plein de sagesse et de science, a écrit sur la destruction de Troie. Mais son livre ne dit pas la vérité. Nous savons parfaitement des faits qu'il naquit 100 ans après l'époque où l'expédition fut engagée. Rien d'étonnant donc à ce qu'il se soit trompé, puisqu'il n'assista pas à l'événement, qu'il n'en vit rien. Mais voilà, donc Homère est disqualifié. Et, pas tout à fait faux, Benoît Saint-Maur, dans le roman de Troyes, préférait la soi-disant qualité de témoin oculaire de Darès et Dictys. Mais, si Benoît Saint-Maur se trompe sur la chronologie, l'auteur de l'Ovide moralisé, dès le début du XIVe siècle, raillait justement Benoît de s'être laissé prendre au piège et rendait à Homère, même s'il n'en connaissait lui-même qu'un résumé latin, rendait à Homère sa vraie place dans l'élaboration de la matière troyenne. C'est la seconde citation. Puis qui gréjouis et latin, et si qui onques en latin traitier rien de ses histoires, témoigne la matière voire, ainsi comme Homer la traita, et si qui sont grecs translatins. Neis d'ares de qui fut fait di romans benevis et tres, n'est de rien contraires à lui, car l'un et l'autre livre lui, force tant que plus provisionnant, dit d'ares le démènement, les assemblées et les tours, les batailles et les estours qui furent faites par devant Troué. Tous les Grecs et les Romains, ainsi que ceux qui racontaient en latin un épisode ou l'autre de cette histoire, témoignent que cette matière est véridique. Vous voyez, la vérité se trouve dans les deux citations. Dans la première, c'est « veir », et les deux à la rime. « Veir »,« voer », »,« véritable », et ici, à la rime du quatrième vers, « voer », »,« véritable », une catégorie très importante pour le Moyen-Âge. Témoignent que cette manière est véridique, comme Homère l'a raconté, ainsi que celui qui a traduit son texte grec. Même Darès, qui est la source du roman de Benoît, ne s'oppose en rien à lui, car j'ai lu les deux livres. Sinon que Darès parle avec plus de détails des événements, des assemblées, des ruses, des batailles, des combats qui eurent lieu devant Troie. Donc effectivement, il en parle avec plus de détails que le résumé d'Homère qu'il connaissait. Bon, on sait que le texte d'Homère est évidemment plus long que celui de Darès.
La première question à se poser sur Dares et Dictis serait au demeurant de savoir s'ils ont vraiment eu l'intention de tromper leur lecteur. Quel écolier de la fin de l'Antiquité pouvait être assez ignare pour ne pas savoir que la littérature classique commençait avec Homère? Il me paraît plus crédible d'imaginer que nos compilateurs tardifs prenaient la pose des guerriers homériques pour donner du piquant à leur pâle résumé, un peu à la manière des livres pour enfants d'aujourd'hui qui inventent pour mieux nous faire pénétrer dans une époque révolue des personnages fictifs disant y avoir vécu, afin de provoquer l'adhésion et la sympathie des jeunes lecteurs. Que les innocentes supercheries de Dares et de Dictis aient fini par être prises au sérieux, Benoît de Sainte-Maure nous le prouve assez. Mais encore une fois, la confusion ne dura guère, et l'on pourrait dire que cet exemple relève peut-être plus d'un quiproquo transitoire que d'un déboulonnage durable de la gloire homérique. Benoît ne nie d'ailleurs en rien, on l'a vu dans sa citation, le génie poétique d'Homère, mais la valeur de vérité, pour ça que j'ai insisté, la valeur de vérité l'emportant pour lui sur le critère esthétique, sa préférence pour Dares et Dictis témoigne d'une axiologie parfaitement cohérente. Songeons à Jean Baudel qui, une génération plus tard, vers 1200, placera le caractère vain et plaisant des romans arthuriens infiniment plus bas que la prétention des chansons de geste à la vérité historique. Alors, tout le monde n'est peut-être pas familier de la littérature du Moyen-Âge français ici. Je rappelle que le trouvait Jean Baudel au début de la chanson des Scènes, la chanson des Saxons, une chanson de geste, fait une petite tripartition. Il dit qu'il y a trois matières. La matière de Bretagne, qui est vaine, vide et plaisante. La matière de Rome, qui a pu nous apprendre la sagesse. Et la matière de France, c'est-à-dire les chansons de geste, les chansons de Roland, etc. La matière de France qui est vraie, et cela est évident chaque jour. On voit donc que le vrai est plus important, même que le sage, et évidemment que le vin est plaisant. Il faut donc se faire une raison. L'écrivain médiéval n'est pas aveugle à la beauté, mais il ne l'érige pas comme nous en absolu du jugement de valeur artistique. Revenons à la question, si vous voulez bien, de l'hypertexte hypotextif. Cet exemple nous suggère qu'il en existe de plusieurs types, que j'aimerais maintenant tenter de classifier. Il peut tout d'abord résulter d'une confusion plus ou moins savamment entretenue. En l'absence de renseignements suffisamment rigoureux, l'erreur d'un Benoît de Sainte-Maure est parfaitement excusable. Nous avons d'ailleurs vu qu'il situe assez correctement, même s'il le minimise, l'écart chronologique entre l'époque mycénienne et l'âge homérique. 100 ans, on dirait aujourd'hui plutôt 3 ou 400 ans, enfin, l'intention est là. Et en l'absence d'indices historiques fiables, il fait jouer un autre critère. Celui très médiéval de la supériorité de la vérité, de la prose sur la poésie. Remarquons en passant que cette vision est aux antipodes de l'axiologie que Vico imposera au XVIIIe siècle, voulant que la poésie précède toujours la prose dans l'histoire de la littérature. Priorité que je vérifie d'ailleurs très bien à propos de la littérature du Moyen-Âge, justement, et qui donne ironiquement tort à Benoît à l'intérieur de son propre système. On ne saurait ainsi avoir de meilleures confirmations du fait que ce qui compte pour les médiévaux, ce n'est encore une fois pas le sens de l'histoire, anachronisme moderne, mais la priorité ontologique de la vérité nue sur la fabulation ornée. Mais cet hypertexte hypotextifié par confusion est presque le moins intéressant de ceux que l'on peut rencontrer. Homère lui-même nous met sur la piste d'un second type, l'hypotextification par synthèse. En condensant dans l'Iliade et l'Odyssée la quintessence des poèmes épiques de la Grèce archaïque, les premiers éditeurs d'Homère, sans doute ceux à qui l'on doit d'avoir travaillé à Athènes ou Pisistrate au VIe siècle avant notre ère, ces premiers éditeurs ont rejeté dans l'ombre, puis dans l'oubli, toutes les autres épopées qui avaient fleuri dans les siècles héroïques. D'abord, Nostos, retour parmi d'autres, l'Odyssée est devenue le poème du retour par excellence, charriant les souvenirs de vers désormais à jamais perdus. Ce type d'hypotextification a connu une grande fortune au Moyen-Âge. Ainsi, la danse locale, que Susan la connaît bien, la vulgate arthurienne en prose du XIIIe siècle, donc, cette somme a progressivement remplacé dans l'esprit des lecteurs, dès le XIIIe siècle, des textes en vers du XIIe siècle. Auteur phare reconnu comme tel par ses pairs encore au début du XIIIe siècle, Chrétien de Troyes a lentement cessé d'être recopié. Et il fallut toute la curiosité d'antiquaire d'un Pierre Sala pour s'intéresser au début du XVIe siècle au Chevalier au Lion en vers de Chrétien de Troyes. C'est déjà une attitude de moderne redécouvrant une très vieille littérature.
D'ailleurs, la version adaptée par cet auteur atypique, Pierre Sala, ne parvint pas à redorer le blason du genre définitivement obsolète du roman d'aventure en vers. Depuis plus de deux siècles, il était clair pour presque tous les lecteurs de bonne volonté que la geste d'Arthur et de ce chevalier ne se trouvaient nulle part ailleurs que dans le roman fleuve du Lancelot. Nous n'avons d'ailleurs pas la preuve que Pierre Sala avait des idées parfaitement claires à propos de la priorité de Chrétien de Troyes sur les romans en prose. Au XIXe siècle, le médiéviste Paulin Paris, Gaston Paris, donc Paulin Paris, guère plus clairvoyant que Benoît de Saint-Maur sur Darès et Victis, affirmera carrément que les romans en prose sont antérieurs aux romans en vers. Et il a fallu tout le travail scientifique, justement, de son fils Gaston Paris ou de Paul Meyer, introducteur en France des méthodes de la philologie allemande, pour remettre l'histoire littéraire à un endroit, d'abord chrétien, et ensuite mélancolique. À l'égard de ses sources, Chrétien de Troyes, mais aussi le Brut, de Vasse et les textes de Robert de Boron, le Lancelot Graal a procédé à la fois par synthèse et par amplification. Mais il arrive aussi qu'un effet d'hypotextification se produise par condensation. C'est ce qui est arrivé au Lancelot Graal lui-même lorsque Thomas Malory a entrepris de le réécrire dans l'Angleterre du XVe siècle, au moment de la guerre des Deux Roses, dans Le Morte d'Arthur. Bien qu'il intègre également des éléments du Tristan en prose et se souvienne des adaptations anglaises précédentes, comme Stanza et Morte d'Arthur ou la version littérative, le texte de Malory est presque trois fois plus court que le Lancelot Graal français. Donc, hypothétification par condensation. Il a cependant connu en fin de compte une plus grande fortune que le texte français, car bien qu'ayant connu une éclipse relative entre la fin du XVIe et le début du XIXe, et tout à fait relative, il n'a jamais totalement disparu de la conscience culturelle anglaise. Certes, il n'a inspiré, et on peut s'en désoler, aucune pièce à Shakespeare, mais l'opéra de Dryden et Purcell, King Arthur, témoigne de la persistance de son mythe à l'époque classique, même s'il faut avouer qu'on ne retrouve guère les aventures du héros médiéval dans cet Arthur galant et poudré de Purcell. Et le XIXe siècle le fera revenir plus vivant que jamais, inspirant un flot ininterrompu d'adaptations de tout style et de tout format. Or, ce qui est frappant est que malgré d'excellentes réussites, de Tennyson à T.H. White, en passant par Mark Twain et John Cooper Lewis, les anglophones n'ont jamais cessé de se référer à Malory. Le titre même de l'opéra de T.H. White, The Once and Future King, est même directement inspiré d'une formule de Malory, Arthurus Rex Bona Rex Futurus. Ce qui montre à l'évidence que le monde d'Arthur de Malory n'est pas prêt de céder son statut d'hypothèse arthurien dans le monde anglo-saxon. Or, comme on l'a rappelé, rien n'est moins hypotextuel que cette version au moment où elle paraît en 1485 sous les traits de l'imprimeur Caxton. L'élite anglaise cultivée du temps est sans doute même encore suffisamment familière à ce moment-là de la langue et de la culture française pour ne pas ignorer que c'est dans l'idiome continental que l'on a d'abord lu la geste du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Rapidement, cependant, cette origine va s'estomper et l'hypertexte malorien va acquérir un statut hypotextuel, d'autant moins contestable que les derniers restes de français vont s'effacer de l'horizon culturel anglais. On en est au point, aujourd'hui, que même certains intellectuels anglo-saxons semblent ignorer que Malory avait des sources françaises. Il est vrai que la distinction que Jean Baudel faisait, je le disais vers l'an 1200, entre matière de Bretagne et de France, désigna précocement un partage que le sort contrasté fait au héros des deux traditions dans leur patrie respective n'a pu que confirmer. En France, on a rédigé d'abord les chansons de gestes, en Angleterre, on en est resté à la littérature arthurienne. La matière arthurienne a donc connu plusieurs cas successifs d'hypotextification d'hypertexte. D'ailleurs, la fameuse conjointure qui semble désigner chez Chrétien de Troyes, et ce, dès son premier roman avec Achéide, le processus de la composition romanesque, cette conjointure est-elle autre chose dans le principe que la fabrication d'un texte standard, donc un hypotexte, à partir des bribes éparses de la tradition orale. Mais les romans de Chrétien III restent liés à une définition épisodique, donc fragmentaire, de l'aventure arthurienne. Une génération avant Chrétien, Geoffroy de Monmouth, traduit en français par Vasse dans le Brut, avait d'ailleurs donné une première version synthétique, idéalement hypotextualisable, si j'ose dire, de la geste du roi Arthur dans son Histoire des rois de Bretagne. À partir du moment cependant où s'imposera avec Robert de Boron la définition chrétienne du Graal, cette trop brève chronique, pas plus que la poétique éclatée des romans en vers de Chrétien, ne suffira plus au contour. Le Lancelot Graal, puis en Angleterre, version de Malory,
vont successivement s'imposer, je le disais, comme hypotexte. Le premier en un siècle, le XIIIe avide de sommes théologiques et d'encyclopédies, le second à une époque où la condensation du matériau cède les dessins commerciaux de l'imprimerie naissante. Bon, aucune surprise à ce que le nostre Graal, le XIIIe, soit beaucoup plus long que le texte de Molière. Or, si, comme on a vu, le statut hypotextuel de la mort d'Arthur de Malory n'a fait que se renforcer avec le temps dans les pays langues anglaises, le sort du nostre Graal en France a été tout autre. Joachim du Bellay le recommande encore dans la défense et l'illustration de la langue française, en 1549, donc, comme un modèle à imiter dans une future épopée française. Mais le défi ne sera pas relevé. Au XVIIe siècle, Chapelain et Huet seront les derniers à en dire quelque bien, et la réévaluation de la littérature médiévale dans la France des XIXe et XXe siècles ne produira en fin de compte aucune réécriture arthurienne comparable, même de loin, à celle de Malory en Angleterre et aux grands textes qu'il a inspirés. Ni la table ronde de Creuset de l'Essert de 1812, ni les 5 volumes des romans d'Arthur mis en nouveau langage de Pont la Paris entre 1868 et 1877, ni même les romans de la table ronde de Jacques Boulanger, publiés de 1922 à 1923, ne connaîtront de popularité vraiment significative. Certes, la France moderne a longtemps été plus préoccupée, je l'ai dit tout à l'heure, toujours selon ce tropisme modélien, je dirais, a longtemps été plus préoccupée de chansons de gestes que de romans arthuriens. Mais cette absence d'une réécriture de référence des légendes de la table ronde ne laisse tout de même pas d'être étonnante. Il se pourrait cependant qu'une autre réécriture, très proche par l'esprit et la thématique du modèle arthurien, ait tenu lieu de cet introuvable hypotexte moderne. Je veux parler, et je m'excuse de revenir sur des choses sur lesquelles je travaille depuis bien longtemps, je veux parler du roman de Tristan et Iseult de Joseph Bettier. Quoiqu'issu d'un même terreau celtique, la matière tristanienne a connu au Moyen-Âge un destin sensiblement différent de la matière arthurienne proprement dite. Arthur étant un roi conquérant, il a tout naturellement suscité l'agrégation autour de lui de la plus grande part de la littérature d'origine bretonne. Il n'a pas seulement conquis des terres, il a conquis des textes aussi. Le mythe de Tristan, lui, est resté périphérique et partiellement inassimilable, puisque les conteurs du XIIe siècle ne s'accordent pas sur son chronotype. Si Arthur apparaît dans le Tristan de Bérulle, il est par contre totalement absent du Tristan de Thomas de Bretagne, qui est censé se dérouler postérieurement à son règne. Par ailleurs, les avis sont aujourd'hui plus partagés que jamais sur l'existence antérieurement aux versions conservées d'un Ur-Tristan, Tristan primitif, qui serait le point de départ de toute la tradition tristanienne. Celle-ci pourrait donc bien constituer un cas très rare de mythe littéraire absolument dépourvu d'hypotexte. De fait, on sait le lamentable état de délabrement des plus anciens textes tristaniens. Ni la version de Bérulle, ni celle de Thomas, ni celle de Gottfried de Strasbourg en allemand ne nous ont été transmises dans leur intégralité. Et celle de Eilert d'Auberg, en allemand aussi, seule complète avant les versions en prose, ne saurait prétendre au statut d'original. Quant au Tristan en prose du XIIIe siècle, il est beaucoup trop contaminé par le Lancelot Graal, la Vulgate arthurienne, pour fournir un nouvel hypertexte hypotextifié crédible à la légende tristanienne. Les aventures des amants de Cornouailles s'y retrouvent en effet phagocytées par celles des chevaliers de la table ronde, au point que la mort des protagonistes prétendus, Tristan et Iseult, ne constitue même pas la conclusion du roman. La légende tristanienne vivra donc jusqu'au XIXe siècle d'une vie de plus en plus végétative, conséquence à n'en pas douter de son caractère scandaleux, déjà dénoncé du temps de sa plus haute floraison. On sait le mépris dans lequel Bastien, chrétien de Troyes, qui se vante de ne pas avoir été empoisonné par le fils de Tristan. Le Tristan en prose calque donc les amours de Tristan et Iseult sur le modèle plus socio-compatible, si vous passez l'expression, des amours courtoises de Lancelot et Guenièvre. Je n'ai pas le temps de distinguer ici ces variantes de ce que l'on pourrait appeler génériquement l'amour courtois. J'ai un article en ligne dans les cahiers de recherche médiévale auquel je peux vous renvoyer sur cette question. Au XVIe siècle, le Tristan de Hans Sachs en Allemagne montrera jusqu'où peut passer l'affadissement bourgeois et moralisant du mythe. Et Creuset de l'Essert, déjà cité dans sa table ronde de 1812, n'hésitera pas à prêter à Tristan et Iseult une palinodie dans laquelle ils se reportent comme des collégiens surpris à charpenter des cerises de leurs amours déshonnêtes.
On serait bien sûr tenté de considérer le Tristan et Isolde de Van Eyck de 1859 comme le nouvel hypertexte hypotextifié du mythe. Comme, pour reprendre un autre exemple romantique, le Faust de Goethe l'avait été pour la légende de l'alchimiste qui avait donné son âme au diable. Et certes, il ne saurait être question de nier ici la puissance et la beauté de la version wagnérienne. Et encore moins sa célébrité. Cependant, un problème se pose face à l'hétérogénéité des médias en cause. Même si le texte des drames wagnériens a toujours reçu plus d'attention que celui des autres représentants du genre lyrique, les œuvres de Wagner n'en restent pas moins des opéras. Entre la littérature et la musique, ou le cinéma, les cas d'hypotextification abusive ne sont évidemment pas rares. La Carmen de Bizet, par exemple, a éclipsé sa source mérinéenne, comme le Guépard de Visconti a occulté le roman de Tomasi di Lampedusa. Et à vrai dire, le Tristan de Wagner aurait très bien pu se retrouver seul en lice pour témoigner du succès modèle de la légende tristanienne. C'est compté cependant sans l'entreprise de Joseph Bédier, qui a le double avantage de mon propos d'être strictement littéraire et d'avoir connu un succès lui aussi considérable, qui, sans être comparable à celui de l'opéra de Wagner, tout à fait, n'en a pas moins fait d'elle la réécriture médiévale moderne à avoir de très loin été la plus diffusée et la plus imitée, en tout cas en domaine francophone. Et ces traductions sont nombreuses. Nous avons une petite correspondance, une partie de notre correspondance avec Susanna pour nous demander quelle était la plus ancienne version espagnole. Et Susanna a fait une découverte intéressante. Un texte, effectivement, bien à Buenos Aires. À l'Argentine. Et avant de l'être en Espagne. Ce qui n'empêchera pas l'un des maîtres de Bédier, alors ce succès du roman de Bédier n'empêchera pas l'un des maîtres de Bédier, auquel celui-ci gardera toujours un profond attachement. Je veux parler de Ferdinand Brunetière, décrit en 1906, dans un compte-rendu d'édition du Tristan Thomas procuré par Bédier, alors que le roman de Bédier a déjà paru, il a paru en 1900. Brunetière, donc, citation numéro 4, sur votre exemplier, écrit « L'humanité, selon toute apparence, ne connaîtra plus dans l'avenir qu'un seul Tristan, qui sera celui de Wagner, et dont tous les autres seront regardés comme de pâles et incertaines ébauches. » Très sympathique pour son élève Bédier. Cette opinion de Brunetière est remarquable car elle montre chez le maître de la revue Les Deux Mondes une sensibilité certaine à la question de l'hypertexte hypotextifié. Cela ne doit pas nous étonner. C'est en effet sans doute à l'enseignement de Brunetière que Bédier doit sa vision de la création littéraire comme recréation. Brunetière disait en effet que celui qui invente... Je crois que je vais oublier de vous le donner comme exemple. Brunetière écrivait en effet « Celui qui invente en littérature comme en art, c'est celui qui donne aux idées leur expression définitive. » Et Bédier l'illustrera pour la première fois dans son étude du voyage en Amérique de Chateaubriand, un texte assez peu connu de Bédier, qui n'était pas seulement médiéviste, mais aussi introduit la philologie dans les méthodes de l'histoire littéraire. Et c'est très important pour l'histoire de l'audicité, parce que Gustave Lanson, grand créateur de l'histoire littéraire, avouera sa dette aux philologues, et en particulier à Joseph Bédier. Donc dans son étude sur Chateaubriand, Bédier va montrer que le voyage en Amérique de Chateaubriand n'est qu'un sans nombre de citations prises à divers voyageurs. Mais il n'en conclura pas moins que le texte de Chateaubriand est original, le plagiat étant élevé chez lui en, je cite, là je crois que c'est dans le exemplier, en véritable méthode d'invention poétique. Pour Bédier, la littérature n'est au fond rien d'autre que l'agencement de matériaux empruntés ailleurs. Et il n'est pas indifférent, même si la formule vient de Brunetière, que le médiéviste Bédier se soit montré particulièrement sensible à ce mode de composition. On retrouve là, au fond, la conjoncture revendiquée par Chrétien de Troyes dès le XIIe siècle. Bédier reviendra dans ses légendes épiques à l'idée que recréer et créer sont termes exactement synonymes. C'est très précisément sa citation. Recréer et créer sont termes exactement synonymes. Sans nier que la chanson de Roland du manuscrit d'Oxford ait pu être précédée par d'autres poèmes racontant la même histoire, Bédier ne se dit pas intéressé par ces autres textes plus anciens, d'une part parce qu'ils sont perdus et que nous devons nous en tenir à ce que nous possédons de tangible. C'est cette même attitude qui, dans le domaine de l'édition des textes, aboutira à ce que l'on appelle le bédiérisme éditorial. Je ne vais malheureusement pas me mettre là-dessus, mais les auditeurs de lundi en entendront peut-être un peu plus. D'autre part, parce que le travail de reprise de la matière rolandienne par le responsable de la version d'Oxford est, à sa manière, aussi original, même si on ne connaît pas les textes dont il s'est inspiré, aussi original que la comparaison avec Bédier, ce que fait Racine à partir de l'Iphigénie de Dupuis.
Mon apparence, le travail de Bédier sur la matière christianienne ne semble pas reposer sur les mêmes bases épistémologiques. Car dans son édition du Tristan de Thomas, Bédier s'attache à une double restitution. Celle d'une part des parties perdues du roman de Thomas, qui est dite, celle beaucoup plus ambitieuse par ailleurs de la version primitive, à laquelle il croit, de la légende de Tristan, qui serait à l'origine de toutes les versions conservées du XIIe et du XIIIe siècle, le fameux Ur Tristan. On utilise toujours des termes allemands pour ces questions de philologie, mais auxquelles, donc justement, on ne croit plus guère. Cette seconde démarche de Bédier, donc reconstituer le Ur Tristan, est aujourd'hui très éloignée de notre vision de la littérature médiévale. Non seulement parce que nous ne croyons plus beaucoup à cette Ur Tristan, mais aussi parce que Bédier lui-même nous a appris à rejeter comme vaine toutes les tentatives de reconstitution des textes perdus. C'est justement l'idée du bédiérisme éditorial. Mais aussi de tout le reste de son travail, je ne peux pas non plus m'étendre aujourd'hui là-dessus. Comment comprendre dès lors qu'il se soit attelé à cette tâche? Il faut d'abord rappeler que la révolution éditoriale du bédiérisme est encore à venir lorsque Bédier édite le Tristan de Thomas. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, toutes les idées de Bédier ne sont pas totalement fausses. Mais surtout, notre philologue avait lui-même fourni l'antidote à sa reconstitution scientifique en rédigeant près de 10 ans avant la parution du deuxième tome de son édition de Thomas, sa propre vision de la légende tristanienne, je l'ai évoqué à travers son roman de Tristan Iseult, publié en 1900, mais achevé dès la fin de l'année 1896. Vous avez tout compris. Une comparaison détaillée du roman et de la reconstitution érudite de l'Ur Tristan montre ainsi de nombreuses différences qui ne sont pas toutes de détails et que l'on peut attribuer à la fois au fait qu'au moment de rédiger son roman, Bédier n'avait pas encore effectué la comparaison précise et exhaustive des sources, mais plus profondément aussi à ce que, de toute façon, rêver le roman de Tristan Iseult n'avait pour lui que peu à voir avec l'entreprise scientifique de reconstituer la genèse des textes tristaniens médiévaux. Par modestie, peut-être plutôt pour ne pas s'attirer les foudres de ses collègues aux yeux de qui une double casquette de romancier et de savant risquait de le faire passer pour un dilettante, Bédier commencera par faire peu de cas de son Tristan. Le succès venant rapidement, il finira par admettre son statut d'auteur, et ceci d'autant plus que le milieu fut revenu à contredire l'un des axiomes les plus fondamentaux de sa pratique philologique, le fameux « recréer ». C'est créé. Qu'il eut l'autre occasion d'ailleurs de défendre lorsque, vers 1920, un cinéaste indélicat se permit de filmer une version de la légende tristanienne en utilisant des intertitres, muets bien sûr, des intertitres empruntés au roman de Bédier, sans pour autant créditer ce dernier au générique. La défense que notre philologue eut à produire lors du procès qui sanctionna cette affaire est justement précieuse, car elle constitue l'une des rares déclarations explicites de paternité à avoir échappé à la plume de Bédier. C'est l'exemple 6 de notre exemplier. Et qui est dit, combinant entre eux les éléments pris au texte les plus divers, j'ai imposé à des éléments disparates l'unité, la loi de ma propre pensée et de ma propre sensibilité. Et c'est cela même qui, dans toutes les langues, s'appelle inventer, créer. Si on lit le Tristan de Bédier, on peut en effet être frappé par l'impression d'unité qui se dégage. Très d'autant plus remarquable que l'examen détaillé des sources utilisées fait apparaître un traitement extrêmement différent des textes originaux. Bédier a visiblement commencé par traduire assez fidèlement le texte de Béroul, puis a agrégé tous les autres épisodes, empruntés surtout au texte allemand d'Alcard de Gottfried et, pour la fin, à Thomas de Bretagne. Les autres donc de manière beaucoup plus libre et souvent abrégés en leur imprimant, sinon n'ose dire, une patine béroulienne et en maquinant le tout de légères touches 1900, d'obédience symbolique. Symboliste, pardon, voire un peu Wagnerien, si Bédier n'aimait pas beaucoup la musique. Si, comme l'affirme Bédier, faire œuvre littéraire, c'est imprimer un style à une matière hétérogène, alors son roman de Tristan Iseult possède des titres à être appelé le plus parfait des romans symbolistes. Il est remarquable de voir que dans l'esprit de Bédier, les différences de degré dans la réélaboration des sources n'est qu'un critère très secondaire de la réussite littéraire. Racine reprend sans doute Euripide, de moins près que Chateaubriand ne recopie les voyageurs qui l'ont précédé. Mais pour Bédier, les deux œuvres sont littéraires exactement au même titre. Et closer les divergences l'intéresse moins que d'affirmer l'autonomie des textes secondes. Des hypertextes. Dans le cas de son propre roman Tristan Iseult, on pense irrésistiblement à une très fameuse nouvelle de Borges. Celle qui nous narre comment, en recopiant littéralement le Don Quichotte,
tous très fameuse nouvelle, Pierre Ménard a écrit une œuvre sans commune mesure avec celle de Cervantes, le site WordPress, le texte numéro 7. Le texte de Cervantes et celui de Ménard sont totalement identiques, excusez-moi de citer en français, mais le second est presque infiniment plus riche, plus ambigu, disons ses détracteurs, mais l'ambiguïté est une richesse. Par la perfection formelle qu'il avait imprimée à sa version de la légende tristanienne, Bédier était tout désigné pour créer un hypertexte hypotextifié, jouant à la fois sur la synthèse d'une tradition fluctuante, un peu à la manière de ce que les scribes de Pisistrate firent au 16e, au 6e siècle avant notre ère avec la matière homérique, mais aussi sur l'effacement des textes précédents, car tout incomplet qu'il soit, le texte de Béroul n'en possède pas moins une forte personnalité. Le succès immense de la version de Bédier fit le reste, et l'on ne serait pas en peine de trouver des preuves chez les auteurs du XXe siècle de la confusion que Bédier a semée dans les esprits. Ainsi, au moins jusqu'aux années 70, le syntagme dans la légende de Tristan avait toutes les chances de signifier, en réalité, dans le roman de Bédier. On s'épuiserait à en citer des exemples et on évoquera ici que le plus fameux des lecteurs de Bédier, Denis de Rougemont, dont les phrases introductives de « L'amour et l'Occident » paraissent à cet égard singulièrement ambiguës. Citation numéro 8. C'est donc le tout début de « L'amour et l'Occident ». Seigneur, voulait-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort ? Rien au monde ne saurait nous plaire davantage. À tel point que ce début du Tristan de Bédier doit passer pour le type idéal de la première phrase d'un roman. C'est le trait d'un art infaillible qui nous jette dès le seuil du conte dans l'état passionné d'attente où naît l'illusion romanesque. En effet, tout en reconnaissant qu'il cite Bédier, Rougemont sous-entend que cette phrase qui n'a aucun correspondant exact dans les textes médiévaux, par exemple, le syntagme d'amour et de mort, c'est tout à fait moderne, c'est pas médiéval. Donc cette phrase qui n'a aucun correspondant dans les textes médiévaux, Rougemont nous fait croire, ou veut croire lui-même, qu'elle nous vient véritablement du fond des âges. Roman du XXe siècle ou pas, le roman de Bédier est bien devenu l'hypotexte de cette légende qui a fait l'Occident. Certes, depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, les textes médiévaux, grâce à des éditions bilingues et à des traductions facilement accessibles, ont retrouvé une certaine existence aux yeux du grand public. Et le monopole hypotextuel dont a longtemps joui la version tristanienne de Bédier n'est plus aujourd'hui si évident. Il n'en demeure pas moins que la quasi-totalité des auteurs modernes qui, en domaine français, ont donné depuis 1900 leur propre version de la légende tristanienne, et on en compte plus d'une trentaine, se sont tous inspirés de Bédier, et parfois de très près, comme André Miquet, ancien administrateur du Collège de France, qui a eu l'idée un peu saugrenue de mettre en alexandrin la prose de Bédier. Même les textes les plus originaux de cette curieuse collection trahissent leur obédience par l'agencement caractéristique des épisodes. Il est nécessaire de dire que parmi toutes ces versions, on ne voit pas encore poindre à l'horizon celle qui ravira à celle de Bédier son statut hypotextuel. J'évoquerai pour conclure un ultime cas d'hypotextification, celui que je dirais par archaïsation et qui n'est à ma connaissance représenté que par un seul exemple probant, encore que celui-ci ne puisse évidemment pas être pris littéralement au sérieux. Je veux parler de la traduction par Littré, fin du 19e siècle, 1880, la traduction par Littré de l'Inferno de Dante en français du 13e siècle. Comme l'a parfaitement écrit Georges Steiner, citation numéro 9, par un effet à la Borges, on dirait que c'est Dante qui traduit Littré, dont l'enfer est antérieur à l'Inferno, et se rattache à la chanson de geste plutôt qu'à l'épopée virgilienne. Je vous en donne juste un petit exemple. Ici aussi, je lirai de l'ancien français, mais c'est l'ancien français du 19e siècle, vous ne le traduirez pas, parce que vous connaissez sans doute tous par cœur le début de la Divine Comédie de Dante dans vos langues respectives. En mi-chemin de cette autre vie, me le trouvai par une selle bosquée, car droit de vouer, or est prêt esclave. Ah, cette selle veut dire des choses dures, comme elle est trouée sauvage et âpre et forte, si que m'esquerce encore de sa selle. L'effet décrit par Steiner ne s'impose-t-il pas à tout connaisseur dont prévenu dans sa français? C'est bien Dante qui a copié les textes. Il est très improbable que la culture occidentale tombe un jour dans un état de confusion tel que l'on puisse réellement convenir à imaginer que le texte de Littré a pu servir de source à celui de Dante. Comme on peut être tenté au Moyen-Âge de faire d'Arès et d'Ictis les aspirateurs d'Homère, au fond, c'est la même chose qu'on dit chez Bernard Saint. Mais dans un esprit ludique bien assumé, le vertige de la traduction de Littré de procurer au lecteur s'avère garant d'un effet d'étrangement qui, l'espace d'un instant, permet de rêver à une littérature dont les repères chronologiques brouillés
redistribuer les attributions avec la fantaisie d'un ouvrage de Pierre Bayard. Vous connaissez peut-être le exemple de Pierre Bayard, le petit texte ironique, et si les œuvres changeaient de hauteur. Gérard Genette, que j'évoque au tout début, voyait du Borges dans la confusion médiévale d'Homère et de ses compilateurs latins. Steiner, on vient de le voir, convoque le même génie du Deleuze pour décrire l'entreprise de Vitré. Et c'est d'abord à Borges que je songeais au moment de décrire l'entreprise bédiévienne, une réécriture presque médiumnique de la légende de Tristan. Ces rencontres, en plus ici à Buenos Aires, ces rencontres ne sont pas fortuites. Et il se pourrait que, lancé presque comme une coutade au coin d'un chapitre de Panaxeste, l'idée de l'hypertexte hypotextifié désigne, en fait, à travers les jeux de miroirs et de déstabilisation qu'elle génère dans le processus littéraire, quelque chose de plus central que Genette lui-même ne le pensait. Si tout texte n'est jamais que la réécriture d'un texte antérieur, l'échange constant et toujours renouvelé des positions d'hypertexte et d'hypotexte dans ce processus infini constitue sans doute l'une des clés essentielles de l'histoire longue, voire très longue, des littératures. La posibilidad de preguntas sí, y nos ofrecemos además con la conferencia no, con la conferencia estaba la traducción en el blog si quieren hacerle alguna pregunta a monsieur Covedari nos ofrecemos a traducirlo para introducir las respuestas también para que puedan intercambiar por supuesto los que pueden hacerlo en francés no se priven. Monsieur. Merci beaucoup pour cette très conférence. Je ne vais pas mettre le jeu, donc ça va. Ça va là ? Oui. Un élément particulièrement intéressé comme organisme, c'est ce que vous évoquez à plusieurs reprises. Dans cette, dans ce, ce processus, c'est le rôle le plus important, bien entendu, des œuvres audiovisuelles. À bien des égards, on peut voir à l'œuvre le processus que vous étudiez principalement à travers une matière textuelle, très généralisée, y compris pour nos classiques modernes, entre guillemets, notamment du 19e siècle, avec le fait que ces classiques, très souvent, ne sont maintenus à la connaissance de la mémoire collective que le plus souvent à travers leurs adaptations audiovisuelles. Donc on a là ce genre de phénomène. Bon, je sais pertinemment qu'y compris en France, la plupart des gens qui connaissent l'histoire, j'ose presque dire le mythe des Misérables, ne l'ont strictement jamais lu. Donc, ils le connaissent, enfin, néanmoins très bien, ils connaissent tous les mythèmes, disons, fondamentaux, et à travers les différentes formes de transposition audiovisuelle, principalement. Ça donne évidemment toute une série de questions dont votre conférence peut donner, y compris dans un cadre assez différent, des pistes de recherche. J'ai une question très précise dans ce cadre. Vous avez évoqué un film muet des animaux. Alors, quand on en parlera, j'aimerais bien voir la référence, on pourra voir ça ensemble, mais qu'en est-il du rapport à Bélier du film de Cocteau et de Lannoy, L'éternel retour? Est-ce qu'on sait quel rapport Cocteau, donc quel scénariste, a entretenu au roman de Bélier ou est-ce qu'on en est réduit à des hypothèses? Alors bon, le film que j'évoquais, c'est un film d'un certain Capellani, je ne l'ai jamais vu. Et comme beaucoup de films muets, il est sans doute très très difficile à trouver. Voire même... je ne sais pas s'il existe encore quelque part. Par contre, évidemment, la version qui est devenue célèbre, c'est celle de Cocteau. Alors, il y a... Bon, j'ai une pétition de principe sur cette question, c'est-à-dire que jusqu'aux années 70, la célébrité du texte de Bélier est telle que, même sans aller regarder de très près, c'est l'évident hypothèse.
Maintenant, il faut, quand on les regarde de plus près, alors je n'ai pas fait ce travail de manière très précise sur Cocteau, mais j'ai quand même regardé le film à deux ou trois reprises. Il y a des petits éléments, par exemple, mais bon, Cocteau transpose énormément. Il transpose aussi les noms. Par exemple, le nain Frossin, le nom de Frossin devient le nom de la famille des méchants barons losangiers, comme on dit. Hein. Donc, bon, il a pris le nom Frossin à Médier, mais ouais, il aurait peut-être pu le prendre directement dans Béroule, mais je ne crois pas. Je crois vraiment qu'il l'a pris là. Mais c'est vrai que Cocteau est sans doute le plus libre. Et je disais qu'il y a une trentaine d'adaptations littéraires, quasiment aucune ne montre la même liberté. C'est peut-être c'est pas seulement la liberté du cinéma, c'est aussi que Cocteau est un grand auteur et qu'il ose une transposition qu'en fait pratiquement personne n'ose faire. Je dirais que la transposition la plus littéraire, la plus audacieuse, et là on peut vraiment se demander si Bédier y est pour quelque chose, mais heureusement l'auteur l'a avoué lui-même, c'est une transposition américaine, c'est de John Updike, dans un roman qui s'appelle Brasil. Le héros s'appelle Tristan, l'héroïne s'appelle Isabelle, mais c'est très très transposé. Et on pourrait dire qu'il s'inspire de n'importe quelle version de l'histoire de Tristan. Heureusement, John Updike a dit explicitement, il a écrit un article pour dire qu'il s'était vraiment inspiré de Betty. Donc, même les Américains modernes, son inspiration, c'est pas Wagner, c'est Betty. Alors, pour revenir à Cocteau, il faudrait regarder quelques éléments, mais par exemple, la simplification de l'intrigue, je dirais, est aussi assez liée au découpage extrêmement clair du texte de Bédier. Qu'est-ce qu'il y avait encore que j'avais remarqué? Mais j'ai toujours voulu faire un article là-dessus, je ne l'ai jamais fait. Mais pour moi, c'est l'intertexte évident, même si effectivement Cocteau est un des plus libres qui s'ouvre. Par contre, sur John Updike, j'ai écrit un article. Otras preguntas, otros comentarios. Están todos muy cansados. Muy callados. Je me demande, monsieur, parce que quand j'étais en train de réfléchir l'année dernière pour notre petit séminaire, sur la survivance de la légende arthurienne. Estamos tratando de pensar en un seminario en este tema de la supervivencia de la légende arthurienne. Et les différences entre ce qui est arrivé en Angleterre et aux pays anglophones, la différence entre lo que pasó en Inglaterra et les pays anglophones, et la France. Et moi, j'ai commencé à penser, mais disons d'une façon asystématique, dans le sens que, au début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'à des principes de siglo XX, la plupart des pays européens, la majorité des pays européens, veulent un héros propre aux racines historiques, qui est un héros propre comme racines. Vous savez, les Espagnols sont très heureux, ils ont le Cid, hein, los españoles muy felices tienen el Cid Campeador. Les Italiens ont tout le passé de l'Empire romain, los italianos tienen toda la gloria del Imperio romano. Les Français ont Roland, bon, historique, mais Charlemagne, quand même, c'est Charlemagne. Et les Anglais n'ont que cet Arthur dont ils vont essayer d'historiser tout ce qu'ils peuvent. Hein? Et les Espagnols et les Ingleses ont ce Arturo que vont tenter d'historifier comme pouvaient. Non? C'est un peu. Bon, j'ai commencé à penser que c'était un peu cette différence pour la reprise des sujets arthuriens en France, en différents sites. Comme je le disais tout à l'heure, comme je le rappelais, cette différence date déjà du Moyen-Âge.
Et donc, si au XIXe siècle, au moment où les nationalismes se créent, si les Français retombent sur la chanson de geste, il n'y a rien de très logique. Et de même que les Anglais retombent naturellement sur Arthur. Ce qui est troublant, et c'est pour ça que le cas de Tristan m'intéresse, c'est que Tristan devrait théoriquement être de la matière plutôt anglaise. Au Moyen-Âge, c'est ressenti comme matière de Bretagne. Or, si j'ai cité Mallory, c'est que justement, les Anglais se sont concentrés sur le mythe d'Arthur. Ils n'ont pas tout à fait négligé le mythe de Tristan, mais ils l'ont quand même laissé à veiller, et je le signalais justement tout à l'heure, au point que même les auteurs américains, quand ils se réfèrent à Tristan, le font plutôt à travers la version anglaise. Alors là, évidemment. Mais Tristan n'a jamais été un mythe national pour personne, justement. Tristan échappe complètement à ça à cause justement de ce côté scandaleux qui a déjà fait que au Moyen-Âge, cette histoire a été subrepticement glissée dans le mythe arthurien pour la rendre un peu inoffensive. Donc là, vraiment, on a quelque chose qui échappe au nationalisme. Mais j'ai une hypothèse, c'est-à-dire que Bellier écrit ça donc toute fin du XIXe siècle, et au début du XXe siècle, il va faire un certain nombre de manœuvres de rapprochement, si j'ose dire, avec les pays anglo-saxons, surtout l'Amérique. Il va faire des tournées en Amérique, il sera un des intellectuels français à aller faire des conférences là-bas. Il va aussi faire 2-3 travaux avec les Anglais, par exemple, il va éditer un petit texte arthurien avec la grande médiéviste Jessie Weston de 1905. Or, 1905, 1903, 1904, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est l'entente cordiale. C'est-à-dire qu'il va y avoir une entente de l'Angleterre et de la France, et donc qui va rendre possible le fait qu'un Français puisse être l'auteur de l'hypotexte de la légende tristanienne, sans que les anglo-saxons n'y trouvent à redire. Et donc, en fait, il y a une sorte d'entente cordiale des médiévistes, contre l'Allemagne, contre la science allemande, et le nationalisme et la science sont doublement pris à partie, c'est une dynamique extrêmement complexe. Donc finalement, aucun hasard à ce que la version de Bellier vers 1900 ait eu succès, parce que justement, on va avec l'Angleterre et la matière de Bretagne à un peu le vent en poupe, compris en France. Et aucun hasard à ce que la réécriture de Paulin Paris, des Chevaliers de la Table Ronde, 30 ans auparavant, y était un four, un insuccès. Et juste encore une chose, vous parliez tout à l'heure des Misérables. C'est vrai qu'on connaît, on ne lit plus Victor Hugo, mais généralement on sait encore que Victor Hugo est l'auteur des Misérables. Donc l'hypothèse n'est pas lu, mais il n'a pas été remplacé. Dans le cas de Tristan, on est vraiment à lire des auteurs de la première moitié du XXe siècle en France, dans une sorte d'ignorance assez semblable finalement à celle de Benoît, un grand salisme, mais à celle de Benoît de Saint-Maur, qui croit que les récits sont les sources de mer. On ne sait plus très bien, personne ne croit que Betty est la source de mer, bien sûr, mais je veux dire, les sources sont vraiment plus qu'occultées, elles sont vraiment passées. Il y a une chose curieuse, justement, je ne sais pas si. Je me demandais toujours, et je ne connais pas tellement, le rôle de Piazza comme éditeur. Parce que Piazza, c'est la personne qui, d'après le paratexte, ouais. Moi, convainc Bédier d'écrire le roman. Et d'ailleurs, c'est l'éditeur d'une quantité de livres en ce moment, qui sont des réécritures des textes médiévaux. C'est et je me demandais. Pardon. C'était curieux parce que je pensais justement à Mallory et Caxton. C'est ces rôles particuliers de ces éditeurs. C'est une question vraiment très intéressante. Caxton, c'est les débuts de la primerie. Bellier, c'est les débuts du livre d'art. À la fin du 19e siècle, le maître de Bellier, Gaston Paris, écrit une adaptation de Huon de Bordeaux. Et qui est très très richement illustré. Et alors il y a une sorte d'émulation, d'ailleurs on n'est même pas sûr parce que Gaston Paris pense ça à la fin de sa vie, on n'est même pas sûr que Bellier n'ait pas un tout petit peu influencé dans le projet, parce que le projet de Bellier était déjà assez complet vers 1916, avant même
que Gaston Paris fasse paraître en Lyon de Bordeaux, et l'idée de Bédier, c'est de confier les illustrations à un célèbre illustrateur, je pense en particulier à Grasset, donc pas l'éditeur, mais l'illustrateur, qui est très célèbre à ce moment-là, avec grands illustrateurs du style 1900. Et puis, pour des raisons que je n'ai pas pu découvrir malgré mes recherches, Grasset décline la proposition. Et pendant un moment, Bédier ne sait pas vers qui se tourner, et il finit par tomber sur ce jeune éditeur, qui s'appelle Piazzala, qui essaie de se lancer dans le livre d'art. Tout premier, mais enfin, on est quand même dans les décennies, enfin 19e siècle, qui invente le livre d'art moderne, richement illustré, en couleur, magnifique, grand format, etc. Et donc, effectivement, la première édition du texte de Bédier va paraître en 1900 avec de très belles illustrations, mais d'un auteur allemand. Alors, j'en montrerai lundi. Des illustrations, parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, ce n'était pas vraiment mon sujet, mais ces illustrations, on voit très bien que ce peintre allemand est complètement influencé par Wagner. Son ISO a l'air d'avoir au moins 30 ans, alors c'est vraiment un point de soprano dramatique. Et puis, je n'ai pas les réactions de Bédier, parce que Bédier était un homme poli, mais je pense qu'il a détesté ça. Et en 1909, il a eu l'occasion de confier à un autre peintre français, cette fois-ci, à Maurice Lalot. Des illustrations alors, beaucoup plus diaphanes, beaucoup plus fines, un peu Debussy, je dirais. Certaines ont dirait des décors pour révéler à Zémélis de Debussy, et qui ont dû certainement beaucoup plus plaire à Bédier. Alors pourquoi Piazzala est allé vers cet illustrateur allemand? C'est assez étonnant, mais peut-être parce qu'on disait, voilà, bon, les Allemands connaissent Wagner, mais il a fait du Wagner, des couleurs, peut-être, en fait, ça n'a rien à voir avec l'esprit. Du roman de Bédier. Et bien alors effectivement, Piazza va faire toute sa fortune. Alors les descendants de Bédier que je connais bien m'ont dit que Piazza était un affreux barboulin et que Joseph Bédier était un affreux naïf. C'est-à-dire que Bédier, comme c'était un universitaire, il ne savait pas très bien la valeur de l'argent, et puis il a laissé tous ses droits d'auteur à Piazza. Et tant que le roman de Bédier a eu du succès, Piazza a pu faire fortune sans problème et éditer, mais seulement à partir des années 20, c'est-à-dire une génération plus tard. En fait, après la guerre de 14-18. Et là, il faut vraiment, moi je parlais pendant comme des médiévistes, mais en 1900, Bédier est encore tout seul. En 1918, tout d'un coup, en France, vous voyez paraître plein de livres érudits sur la guerre arthurienne, le livre de Ferdinand Locke, le livre de Frappier, il y en a tout plein, le livre de Beaufilet. Et donc, tout d'un coup, véritablement, en 1918, la France est complètement, les médiévistes français sont complètement convertis à la matière arthurienne. C'est comme si l'épreuve de la guerre avait vraiment scellé les nations et qu'il n'y avait plus aucun problème à faire de l'arthurien en France. Et à partir de ce moment-là, Piazza va éditer une collection pendant tout l'entre-deux-guerres, même un peu plus tard, qui va comprendre des contes et légendes. Alors, il y aura des textes médiévaux, Bédier va éditer là sa traduction de la chanson de Roland, il va faire une édition de Châtelaine de Vergy, il y aura une traduction des Jeunes Maris de France, il y aura une adaptation de la geste de Guillaume. Et là, ce sera vraiment les premiers textes qui vont vraiment populariser la littérature médiévale auprès du grand public. Et Bédier est en effet le père spirituel de cette collection, qui d'ailleurs ne va pas s'en tenir seulement à la France, mais il y aura une traduction du Cid Campador, il y aura des traductions de légendes de Rostem, iraniennes, n'est-ce pas? des adaptations. Donc effectivement, cette collection va ouvrir le public français, va s'ouvrir au public français pour tout ce qui est épopée, etc. Donc la figure de Piazzala se fracture.